La réforme des collectivités territoriales n'a pas fini de faire des vagues dans les communes, dans les départements, dans les régions ou encore dans les agglomérations. Dans ces dernières, une des révolutions sera l'élection au suffrage direct des conseillers d'agglo. On écoute Jean-Pierre Mour, c'est le président de l'agglomération de Montpellier. Il est au micro de Jean Brun. La réforme va permettre ce qu'on appelle un scrutin fléché, c'est-à-dire que les têtes de liste des élections municipales seront automatiquement considérées comme ceux qui vont à l'intercommunalité. Dans un temps ultérieur, et que je souhaite le plus rapide, on passera à l'élection au suffrage universel direct. Mais ça veut dire aussi que ça sous-entend une pédagogie d'explication en direction des populations. Et c'est intéressant, c'est positif, parce que c'est l'ensemble de la population du territoire qui s'appropriera la gestion et l'avenir de son propre territoire.